on me demande, Hugo, c'est quoi ta ruelle préférée à Montréal? Eh bien, ça va vous surprendre. C'est pas une de ces belles ruelles vertes d'Hochelaga ou de Rosemont. Ben non, j'ai rien contre la nature, évidemment, j'adore les arbres et les fleurs. Mais ma ruelle préférée est située dans le Golden Square Mile, en plein centre-ville de Montréal. C'est une ruelle sans arbres, sans fleurs, sans verdure et pleine de vidanges. Mais coudonc, Hugo, t'es-tu tombé sur la tête? Il faut pas oublier que j'adore la ville. Et cette ruelle-là, qui est située entre la rue Peel et la rue Stanley, pas très loin de la rue Maisonneuve et du métro Peel, c'est vraiment une ruelle de grande ville typique. Tous les bâtiments qui entourent la ruelle ont l'air très sales, très usés par le temps, et ça, j'adore vraiment ça. Ça me fait beaucoup penser à un de mes films préférés, Once Upon a Time in America, de Sergio Leone, qui se passe à New York. Quand je parcours cette ruelle, c'est comme si je faisais un voyage dans le temps et aussi un voyage vers New York. Dans le film de Léoné, il y a la fumée omniprésente qui sort des rues. Eh bien, il y a ça aussi dans cette ruelle magique. Dans le cas de cette ruelle, même la saleté et les vidanges ont un certain charme d'usure. Le même genre de charme que j'ai en parcourant les rues de New York, où je suis allé une demi-douzaine de fois. Ces grands buildings, avec des escaliers de secours extérieurs, ont un certain charme hollywoodien qu'on retrouve nulle part ailleurs qu'en Amérique du Nord, je crois. Bon, évidemment, la ruelle est pleine de chars et pleine de containers à vidange, mais je trouve que ça fait vraiment partie de ce charme-là si particulier. En plus, en bonus, dans cette ruelle-là, il y a une très belle murale, très colorée. Ça ajoute beaucoup au charme. C'est une autre des raisons pourquoi j'adore cette ruelle. Les ruelles vertes pleines de verdure ont gagné mon cœur depuis longtemps, mais j'aimerais toujours vraiment beaucoup cette ruelle-là, en plein centre-ville. Ça a un charme qu'il n'y a nulle part ailleurs à Montréal, je trouve.